Bonjour tout le monde et bienvenue pour la suite de votre aventure sur Hogwarts Legacy avec Wanda Ravenhearth, votre serpentard favorite, ambitieuse. Et j'ai quelques infos juste avant de commencer pour vous. Bon, comme je vous avais dit, il y a déjà un petit moment de ça, qu'au final je ne ferai pas un 100% sur ce jeu, mais juste les quêtes et... bah, la quête principale, tout ça, donc il veut rester quoi? Peut-être une session à tout casser, quelque chose comme ça. Cependant, ce qui s'est passé entre-temps, c'est que The Last of Us, qui était prévu que je fasse après Hogwarts Legacy, bah, il y a eu pas mal d'infos sur le jeu des joueurs, enfin, surtout des mécontentements, des critiques, que le jeu est hautement instable, que c'est 10 fois pire en optimisation que Hogwarts Legacy, que le jeu crache tous les 10 minutes quasiment, qu'il y a des freezes assez importants, enfin beaucoup de problèmes de stabilité. Donc ce qui va se passer du coup, c'est que je vais attendre qu'il y ait plusieurs patchs pour que le jeu soit optimal. Et puis du coup, bah, je vais vous faire un petit 100% sur Hogwarts Legacy, histoire de grignoter un peu le temps que tout soit... nickel. Donc du coup, bah, on va commencer par cette session à farmer les demi-guises. Je vous rassure, j'ai un guide pas très loin. On va pas trop galérer. Mais il y aura certaines choses qu'on va galérer. Parce que quand je dis un 100%, c'est que je veux tous les coffres de la map, je veux toutes les cosmétiques. Donc ça prendra autant de sessions qu'il faudra de temps. Mais pendant ce temps-là, dites-vous que quand je ferai du Last of Us, il y aura de grandes chances que le jeu soit nickel, sans crash, sans bug, sans freeze, parce que d'ici là, il y aura eu 3-4 patchs, je pense. Bref, commençons par la première demi-guise dans le bureau du professeur Fig. Donc là, c'est pas compliqué. Évidemment, comme vous savez, Hogwarts Legacy n'est pas des plus stables non plus, donc attendez-vous à quelques crashs ici et là, mais ce sont des choses qui arrivent. On fera avec, simplement. Nous n'avons pas trop le choix. J'ai trouvé un petit mode qui permet de passer la vérification des shaders. Mais le truc, c'est qu'il faudrait que je fasse ça. Quoique je pourrais le faire juste pour le stream, en fait. En vrai, ouais. Si ça crache tout à l'heure, j'installerai ce mode. Je ferai un backup si je me démerderai. Et coucou Mia. Ouais, la tardive. Ouais, bah j'ai pris le temps de manger, tout ça, j'ai pris le temps d'atterrir, et puis je n'étais pas sûre que je pouvais stream aujourd'hui, j'avais des choses à faire. J'ai pas mangé de bonne heure, enfin voilà. Et petite information, parce que comme vous voyez, les gens ils doivent me voir tout le temps connecté sur le Discord. J'ai Discord aussi sur mobile, donc en théorie... sauf quand le mobile est éteint, je suis connecté tout le temps sur Discord. J'ai toujours dit que voyager ouvrait l'esprit. J'ai toujours dit que tu devrais aller dans un four. Bon. D'ailleurs. Tu vois. Ils étaient pas censés avoir fait un patch qui te fait fermer ta gueule, en fait. Faut croire que non, en fait. C'est encore des manchoses. Et honté. Je sais même plus ce que je voulais faire, du coup, à cause de cette grognasse. Ah oui, je vais faire passer la... Non. Si, j'ai vu dans les patch notes qu'ils ont marqué qu'ils allaient rendre muet elle, là. Initia, machin, là. Mais en fait... que dalle. Ouais, c'est pas très important après. Mais... bon, on va farmer les petits chewis. Tu es à moi à présent, demi-guise. Enfin, vraiment, ça ressemble à un Wookie pour moi. Ça fait tellement Wookie. J'espère que je gueule pas trop dans le micro. La zone souterraine, donc la bibliothèque. Ok, nickel.
Et si je vois que c'est trop fort, pas le micro, mais le jeu pendant les phases de combat, j'essaierai de faire des ajustements. On verra bien. Mais en tout cas, ça va être un gros farm. Enfin, aujourd'hui, ce que je prévois, c'est de faire les demi-guises. Et finir la quête de Boone qui est chiante. Et après, on fera les quêtes secondaires. Et après, on fera les arènes. Et ce sera tout pour cette session-là. Je pense que quand j'aurai fait tout ça, on aura... Horrible. J'arrive presque à sentir le désespoir d'ici. Ah, parce que t'as quand même encore ton portrait ici, toi. Ouais, donc tu vas squatter cette école, en gros. Incendio. Ah là là. Et j'espère que le jeu sera pas trop sombre, sinon, bah, de toute façon, j'ai Lumos, hein. Mais vu que j'ai changé les contrastes, là où il fait nuit, bah, il fait nuit, hein. Qu'est-ce que c'était que ce bruit infernal? Par contre, Bob a pointé du doigt un problème sur Hogwarts Legacy. Maintenant qu'il en parle, que je suis entièrement d'accord avec lui. C'est que les élèves de Poudlard manquent de personnalisation. Ils ont tous la même tenue. Et ce serait appréciable que quelqu'un sorte un mode qui fasse utiliser des tenues cohérentes, différentes. Chaque élève, bon, c'est un travail assez conséquent, mais ça apporterait une petite personnalisation. Parce que autant nous, on peut avoir un choix de tenue assez généreux, mais autant eux, ils ont les mêmes tenues, et ce serait bien qu'ils puissent avoir cette personnalisation. Après, c'est sûr, c'est un boulot de malade, mais ça doit être faisable. Ils arrivent déjà à changer les looks et tenues de... J'ai vu des modes pour changer un peu le style de Sébastien, de Sébastien. Pas Sébastien, parce que c'est avec un A. Sortie nord de Poudlard, téléportez-vous à ce point de chemin, puis retournez pour faire face au château. Allez à gauche jusqu'à trouver une porte verrouillée de niveau 1 sur le mur de l'enceinte. Donc, sortie nord de Poudlard. Mais à mon avis, ça doit être quand même un boulot assez conséquent, mais j'ai confiance au modeur. J'ai par ailleurs entendu des rumeurs sur le Discord. On discutait sur le Discord. Pas le Discord officiel de Hogwarts Legacy, mais une communauté française qui est fan de Hogwarts Legacy qui a fait son petit Discord entre fans. Hein. C'est pas les développeurs qui sont dessus, ni l'équipe et tout ça. Mais bref, en gros, il disait que sur Nexus, il y avait certains mods qui ajoutaient du contenu, qui se sont fait claim par... par Warner Bros. Et du coup, bah, sur les Discord, il y en a qui sont partis du principe, ah, c'est parce qu'ils vont sortir des DLC sur ça. Alors que normalement, non, ils n'ont pas prévu de DLC sur Hogwarts Legacy. C'est juste que c'est Warner qui casse les couilles sur ce genre de choses. Après, ça se trouve, c'était le mode PS5 qu'ils ont jarté. Non, pas bombarde. Lumos. Ah, c'est vers l'entrée carrément. Ah, je vois que c'est. Comme City Skyline, une sorte de DLC avec du contenu officiel de mode dispo gratuit créé par des amateurs en sabotant ces modes. Ah ouais, non, mais ça c'est... Ça devrait même pas être légal, en fait. Mais il y a... Malheureusement, les modeurs ne bénéficient pas des mêmes droits, des mêmes protections. Donc...
Mais je trouve ça aberrant. Après, peut-être qu'ils les ont réénumérés, mais j'en doute. Réveillon. Allô, Mora. Alors par contre, oui, des fois ils vendent 3 ou 4 euros des packs faits par des amateurs. Ouais. Ah, il y a un pack fillon là. Lumos. Alors, il y a un arbre, c'est... Il y a une cascade en contrebas, ça a l'air d'être pas très loin d'ici. Par contre, ce demi-gay, ça commence à être emmerdant. Je vais regarder le guide entre toutes ces pubs. Ah, c'est la petite porte là. Oh, ok. D'accord, d'accord. C'est sûrement cette porte là, du coup. Allô, Mora. En tout cas, j'ai vu que la suite des aventures de Cad Kestis de Star Wars nous attend pour le 28 avril. Et en vrai, tu es à moi. Ah, mais je vous ai pas fait le premier. Ça serait un peu con. Faudrait que je vous fasse le premier. Je sais pas si je vais me relancer là-dedans. Non, je pense pas que je vous ferai des vidéos sur Jedi Survivor. Si j'ai pas fait Fallen Order, ça va être un chantier. Ouais, ouais, non, mais ça c'est prévu, le remake de KOTOR. Enfin, après, je ne sais pas quand ils vont sortir ça. Non, c'est quand même dommageable que... Bombarda ne fait pas... C'est juste l'évolution majeure de Confringo. En fait. Lumos. Enfin, mais en fait, on voit absolument rien. Mais bon, de toute façon, le petit papillon, il va être aggro à partir du moment. Où il va. Ah, mais il y a toi aussi. Voilà. Lumos. Mais une remake de KOTOR, c'est une très bonne idée. Allô, Mora. En tout cas, hier, on a fait notre petite session JDR. C'était sympa. On a encore réussi une confrontation. Et j'ai encore fait des conneries accessoirement. Avec Vlex d'ailleurs. Lumos. Ça a l'air joli ça. Hein? Ça m'intrigue. C'est vrai que je fais plein de tenues maintenant, mais de toute façon, on va les avoir absolument toutes, sans aucune forme de pitié. Ouais, on va changer un petit peu de style. Histoire 2.
En vrai, c'est pas mal. Allez, go. Ok, pas de soucis. Je ne bouge pas. Enfin, si, j'avance dans le jeu, mais... Je vais pas arrêter le stream maintenant, quoi. Il doit être de l'autre côté, le papillon, du coup. Ou alors, il est sur le petit balcon, là. De toute façon, on va faire tout le long des remparts. Il a aucune chance de s'en sortir. D'ailleurs, juste à côté du micro, sur le côté de mon bureau, il y a le chat qui est couché. Et je me dis que quand il va se réveiller, il va être chiant. Là, il dort pour le moment. C'est sans issue, si, ça m'étonne. Mais du coup, comment tu continues à longer le long des remparts ? Ça me perturbe. Ça ne fait rien. Et s'il était simplement ici? Ouais, bah oui, voilà. Évidemment. Il est pas sur les hauts remparts, il est sur les bas remparts. Je sais pas s'il compte pour le farm des 100% les petits papillons. Je crois pas parce que c'est les pages de l'école et je les ai toutes présentes. Je pense pas, ouais. Ouais, ça compte absolument plus. Du coup, ça sert à rien que je farme les papillons et les gouttières enflammées. Ça sert absolument à rien, ça ne m'apportera pas de nouveaux coffres. Ni rien. Revelio. Ça doit apporter peut-être un succès Steam, mais les succès, franchement. C'est pas ma tasse de thé. Du coup, je vais sauvegarder ça. Tac. Dans la grande salle, déverrouillez la porte de niveau 1 à droite pour atteindre une salle avec une demi-guise. Ouais, je vois où c'est. Je vois absolument où c'est. Par contre, je vais mettre la quête de l'autre en active. Ça, on verra le compte. Parce qu'on n'est pas obligé d'avoir toutes les demi-guises... de la map, juste celle nécessaire après tout. Ah, par contre, ça ne me dit pas combien j'en ai trouvé, faut que je les redonne à chaque fois pour qu'ils me fassent le décompte. Ça, c'est un peu emmerdant. Après, j'ai peut-être ça dans l'inventaire. Oui, voir. Peut-être dans un onglet quête. Oui, j'en ai 6. Ah non, c'est ces bave-boules à la con. Ah oui, c'est vrai que j'avais gardé. Mais qu'est-ce que je vais faire de ça? Ça sert à rien. Ah si, là, j'en ai 9. Et ben, je vais en ramasser une et puis on va aller parler à Monsieur Moon. Allez. Ah mais ça m'amène directement à Monsieur Moon, mais je veux pas aller voir Monsieur Ragnob. Enchantement, un jeu d'enfant, alors qu'un feu ardent. Ça va se mettre sur la gueule. Ça va se mettre sur la gueule. Lumos. Pour l'instant, jusqu'où j'en suis dans les vidéos que je regarde de Bob. Il a pas encore vu ça. Il a pas dû l'avoir encore. Mais j'imagine que ça va arriver dans un épisode, il va tomber sur ça, il va être fou.
Il y en a une ici normalement, mais je vais peut-être ramasser en vrai. Revelio. Apparemment, je l'ai ramassé, ouais. Par une intervenance. Ok. Ah, du coup, j'en ai 9. Lumos. On va. Quel plaisir de le vous revoir. Concierge. Enfin, non, c'est pas le concierge, c'est le. Bah, si, c'est un concierge. Si, c'est le concierge. Ça s'appelle comme ça, je pense. Ah, bah, ça, c'est pas super intéressant à regarder. Une vidéo qui fait pendant une heure du ballet pour battre son propre corps. Ouais. S'il fait que ça, ça doit pas être fun. Bonjour, Monsieur Moon. Salutations. Vous avez pu déloger d'autres statues de demi-guise? Ah, mais des fois, il a des moments, Bob. Ça veut rien dire, quoi. À vrai dire, j'ai quelques lunes pour vous. Je me sens déjà plus léger maintenant que ces statues ne sont plus là. Bien. Je vous avais promis de vous enseigner une meilleure version d'Alohomora si vous m'apportiez d'autres lunes. Grâce à cela, vous serez en mesure d'ouvrir des serrures encore plus récalcitrantes. Cela dit, nous vous ne savons toujours pas qui est derrière déjà le ces level statues. 3 sans vous, hein. Il en reste encore une multitude qui n'attend que de me faire souffrir. Si vous m'apportez d'autres lunes, je vous enseignerai la forme d'Alohomora la plus puissante qui existe y a que deux étapes, dans ça le va monde être... des sorciers. Du moins, à ma connaissance. Ah, là, ça, à mon avis, ça va être... Combien de lunes? Continuez à chercher ces lunes, hein? Je serai plus tranquille une fois que nous saurons qui se cache derrière tout cela. 13. Ok. Avez-vous trouvé... Par contre, je trouve que mon jeu est peut-être énormément trop sombre. À des niveaux un peu trop élevés. Oh putain, le chat. Le chat. Oh, le chat. Régler le curseur jusqu'à ce que l'image soit à peine visible. Ouais, mais là, peut-être un peu trop. Le chat, tu... Étude des moldus. Allez dans le bas niveau de l'aile d'astronomie. À proximité de la salle de métamorphose. Descendez jusqu'à statue de dragon. Puis ouvrez le port verrouillé après une sorte de douve avec un mini pont. Ok, bah là, ça va rendre ça chiant à chercher. Pourquoi pas. Donc, l'aile d'astronomie. Cours de métamorphose. Ok, ok, Mia, pas de soucis. Donc du coup, le dernier épisode de Bob, je le regarderai pas. Moi, bon, après, j'en suis pas là, j'en suis à son épisode 9, je sais plus. Puis je couple avec Timberhorn. Même si Timberhorn, des fois, c'est un peu ennuyeux. Mais... Il y a des passages sympas. Donc, je regarde. Bon, par contre, je vais sans doute quand même désactiver ça, parce que ça va me faire des bêtises, en fait. Je sais qu'il en faut 13. Et à partir de là... Allez dans le bas à proximité de l'aile d'astronomie. Donc l'aile d'astronomie... l'aile d'astronomie. La salle de classe de métamorphose est ici. Alors si je rentre là, j'y vais. Est-ce que c'est... Ah, oh, il va faire jour. On se va... Non. C'est à proximité de là. On ne rappelle plus. On se va, on va retrouver. Je pense que c'est ici. Ouais, là, ça, je suis derrière la salle. Je vois pas le dragon endormi, simplement. Là, il y a un Dobby.
Ah non, pas dans ce coin-là, à mon avis. Et si je vais en face, ça donne sur des salles de classe. Non, c'est pas là. Allez dans les bas niveaux de l'aile d'astronomie à proximité de la salle de classe de métamorphose. La salle de métamorphose est ici. Ça, c'est un chat. Et bah alors, c'est là. Voilà. Non, c'est impossible que ce soit là. C'est mal expliqué, mais je pense que c'est de l'autre côté encore une fois. Là, oula, oula, doucement. Non, c'est pas là. Non, je vais regarder comment qu'ils expliquent. Aller dans le bas niveau de l'aile d'astronomie, à proximité de la salle de métamorphose. De la salle de classe de métamorphose. Bon, attendez. Aile d'astronomie. Tac. Là. Mais bon, comme je vous ai dit, on va galérer tous ensemble à proximité de la salle de métamorphose. La salle de métamorphose est ici. Pour moi, ah là. Allô, Mora. C'est probablement là. Ah non, ça monte. Ça peut pas être là. Révélio, arrête de me l'invoquer. Bon, ça sert à rien, mais je la ramasse quand même. Tout un processus, des fois, de même avec un guide. Révélio. Voilà, quoi. Le jeu me considère dans quel bâtiment là? Je suis bien dans l'aile de l'astronomie. Je vais y aller au pifomètre parce que là je n'arrive pas à me situer. Je pourrais traverser cette salle qui me ramène là. Ce qui m'avance pas plus que ça. Ah là! Bah non, c'est ce que je viens. Non, ça doit être bon là. Ah oui, là vous avez un passage. Moi, ça va. J'ai déjà dit. C'est juste pour une page sur les Yao. Donc c'est là. Ouais, voilà. Descendez jusqu'à la statue du dragon, puis ouvrez la porte verrouillée à gauche. C'est celle-là. Qui est déjà ouverte, évidemment. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Une demi-guise. Voilà, on est là, notre demi-guise. On va dormir. Alors, des fois dans ce jeu, faut dormir deux fois pour arriver à la nuit.
Ah, non, c'est bon. Tu es à moi à présent, demi-guise. Voilà. Bon, elle n'était pas évidente, celle-là. Je ne vais pas calculer l'escalier aussi, ça aide pas. Alors, les toilettes hantées. Téléportez-vous à la cour de l'horloge où Duncan vous apprend les duels. Ok, je vois où c'est. Donc, où il nous apprend les duels, c'est dans... le clocher, je crois. Non, c'est bien l'astronomie, encore une fois. Non, attends. Cours de l'horloge, bah, du coup... cours de l'horloger... cours du clocher, non? La grande salle, non. La nef de la bibliothèque, non. L'aile sud. Ouais, c'est l'aile sud. J'avais fait l'énigme, je m'en rappelle. Est-ce que je les ai faites, les secrets de... C'est parti de l'explo, normalement. Ouais. Tac, 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 tac. En tout cas, il y a de quoi s'occuper, hein. Et je vais voir si le 100% est worthy avec vous. Et c'est justement quand tu fais toutes les épreuves de Merlin, tu gagnes pas juste de l'inventaire, mais des tenues prestigieuses. Ce sera intéressant. Alors, les toilettes hantées, normalement, ils sont vers par ici. Allô, Mora. Le plus chiant qui va être, ça va être les coffres à trouver dans tout là et dans les donjons. Réveillon. Rick. Là, par exemple, il y a un coffre, mais c'est complètement derrière. Oui. Un chapeau de sorcier classique. D'accord, là c'est la chaufferie en fait. Chauffer les bains peut-être. C'est pas le même endroit. Mais... salle de divination. Ouais, bah ça c'est pas difficile. Aïe. Je fais beaucoup de TP, hein. Je vais sûrement prendre un crash au bout d'un moment. Je vais dire non. Caches-tu, demi-guise? Ah, ça se trouve, je l'ai looté. Non, elle est là. Ah, si. Ah, c'est pas la demi-guise. Mon dieu. Non, je l'avais ramassée, celle-ci. Bon, bah. Très bien. Classe des potions. Donc, à côté de la classe des potions, qui est dans l'annexe de la bibliothèque, il y a une salle à descendre et... il y a une demi-guise derrière une serrure de level 1.
Ah non, faut déjà une level 1 pour déverrouiller l'endroit et un level 2 pour déverrouiller l'autre. Bien, donc on arrive ici, on traverse là. Là, on a les potions, faut descendre à gauche. Est-ce qu'elles sont nécessaires, eux ? Oh putain, si elles sont nécessaires, je vais être en PLS parce que c'est super dur. Enfin, après, il y a des guides et tout ça, mais... Je regarde. Ah bah, de toute façon, oui, parce que ce sera des objets. Ouais, bah, vous souffrirez avec moi. Je prendrai un guide, par contre, parce que c'est pas évident. Mais il faudra qu'on tu les fasse. Tu es à moi à présent, Demi-Guise. Mais avec un guide, ça ira, évidemment. Remia. Salle de la cour, entrée par la porte de la maison, à droite. Ah, je suis en train de dire qu'il y a un moment, il faudra qu'on souffre. Malheureusement. Tiens, je vais pas à la cour centrale. Tu vas me corriger ça tout de suite, en fait. Les trois épreuves de Tetris, en gros. Elles sont assez hardcore, hein. J'en ai fait une avec ma serre d'aigle. J'ai passé presque une heure dessus. Ça m'a saoulé. J'ai pris un guide. Hein. Elles sont hardcore. Ah non, mais même la deuxième, elle est chiante. Ça m'a saoulé. Genre vraiment, ça m'a saoulé. Ouais, bah ouais, je voulais prendre tout. Forcément. Est-ce que je peux monter sur mon balai de là? Non. Bah, c'est ce qui s'est passé, en fait. C'est ce qui s'est complètement passé. Je cherche un moyen d'aller à l'extérieur, dans la cour. Bon, je vais y aller au pif. Hein. Et dès que je suis dehors, je monte sur un balai, puis voilà. Ouais, en fait, je vais pas faire comme ça. Je vais pas faire du tout comme ça. Je vais faire comme ça. Un autre truc que je vais faire aussi, c'est merde, comment on appelle ça, débloquer tous les points de TP du jeu. Ça sert certainement à rien, mais comme ça on aura une des points partout, ce sera optimal pour se déplacer. Bon, il est où celui-là qui me manque? Il n'apparaît pas sur la map. Hein. Centrale. Ah, c'est peut-être la tour en hauteur. Moi, je pensais à cet endroit-là, mais... Alors que non. Thank you.
au niveau du grand escalier. Ah bah j'en suis à loin. C'est ici en fait. Voilà, nickel. Très bien. Mais je sais que même avec YouTube et un guide, ça m'avait bien... Enfin, après, c'est que j'étais saoulée, donc... je faisais des conneries, j'arrivais pas à me concentrer. Peut-être que là, ça ira mieux. Mais je sais que ça va être chiant, quand même. C'est des épreuves à la con. Mais si je veux tous mes coffres... Bah... En fait, j'ai pas le choix. Il y a des coffres dedans, donc... À partir de là... Allô, Mora. Comme ça. On va pas les faire dans cette session. Revelio. Elipec. Ah oui, c'est la vendeuse à... Tu es à moi à présent, demi-guise. Ça, c'est bon. Je vois qu'il y a un coffre là. Revelio. Et un autre là. Chapeau, toile d'araignée sont plus... Ouais. Sont deux. Par contre, faut que je fasse gaffe. Parce que là, je suis en train de faire la connerie, d'ailleurs. Allô, dans Mora. Ce jeu, tu as des coffres qui sont... qui sont génériques, en fait. Et du coup, bah, je sais pas. C'est important, les coffres génériques qui sont pas indiqués. Pour la collection des systèmes. Quelque part, ils te donnent des apparences aussi sur certaines tenues randoms. Je sais pas. Alors, ensuite, salle de métamorphose. Téléportez-vous à la cour de métamorphose et entrez par la porte à gauche du point de téléportation. Je crois que j'avais ramassé celle-ci, j'ai un doute. Je vais vérifier. En tout cas, dimanche soir, ça va encore être quelque chose pour mes traumatismes psychologiques, on va dire. Parce qu'en fait, on va regarder Star Wars 9. C'est déjà. Very Wells. J'ai de volonté. Ah, c'est pas la même pièce. Enfin, je crois pas que c'est la même pièce. Il y a un miroir et là, il y en a pas. Non, c'est pas ici.
Ah, mais c'est là, en fait. C'est carrément dans la salle. C'est là, il y a un miroir. Non, c'est pas un miroir. Non, c'est pas ici. C'est à côté. Les chats qui traînent par terre, c'est quand même chose. D'ailleurs, je trouve ça con. Les chats, ils sont par terre. Bon, vous allez dire, bah, ils volent pas, Wanda. Non, mais un chat, ça grimpe sur des meubles, ça grimpe aux arbres, ça monte partout. Ça reste pas au sol, par terre. Rendez ça plus vivant, s'il vous plaît. C'est pas compliqué. Limite, faites les gambader le long d'une rampe d'un escalier, sur un balcon. Enfin, tu vois, rendez ça attrayant. Les chats restent pas tout le temps par terre. Téléportez-vous à la cour de métamorphose et entrez par la porte à gauche du point de téléportation. Ah, c'est pas le même point. C'est celui-ci qu'il fallait choisir. Ok. Non, c'est pas là. Ah, à gauche du point de téléportation. Alors, c'est par là. Avancez un peu pour trouver une porte niveau 2 verrouillée. Non, attends, je vais recommencer parce que je suis en train de me perturber. Peut-être, je sais pas. Ou alors tu le fais pas forcément sauter sur les meubles, mais tu les standing là, tu les places là et basta. Téléportez-vous à la cour de métamorphose, ok. Mais je trouve que sur un jeu, le souci du détail a une certaine importance, hein, comme Bob le souligne aussi. Par exemple, il a remarqué que la nuit, bah, les élèves, ils sont même pas dans leur dortoir. Et en fait, ce qui aurait quand même été bien et cohérent, c'est que le nombre d'élèves soit cohérent au nombre de chambres disponibles. Mais bon. Téléportez-vous à la cour des métamorphoses et entrez par la porte à gauche du point de téléportation. Ça m'envoie ici, c'est pas ça. Ouais, non, c'est pas là. Ouais, donc bah, c'est bien là. Avancez un peu pour trouver une porte verrouillée de niveau 2 sur votre droite. Bon. Je ne comprends pas leur système de suivi. Ah mais non, mais en fait... Oh non, mais vous êtes sérieux, les enfants. Fallait me dire que c'était dans la salle où il y a les deux gargouilles. C'est pas du tout ici. C'est absolument pas du tout là.
Bon, tu ouvres. Allez. Allez. Non, c'est pas non plus là. Oh, je suis perdue, au secours. Plus de là. Me rend folle. Non, et ces portes, elles sont horribles, des fois. Je sais pas pourquoi ça me fait ça. Ah, y a pas le bonhomme de neige, tiens. Tu m'en avais parlé d'un bonhomme de neige ici, mais là, il n'y est pas. Alors, je l'ai déjà vu. Ah putain, oui, les portes de résistance, oui. Mais du coup, ils veulent m'amener ici, en fait. Vous avez un peu de morve qui dépasse. Je me suis dit que vous aimeriez le... Ça se trouve, je l'ai looté. Révélio. Ouais, j'avais dû la ramasser, celle-ci. Bon, c'était bien la peine de s'embêter. Ah, quoique, par là. Non, il y aurait eu un commentary. Enfin, un dialogue. Tu es à moi, demi-guise. Ok, on en a fini avec Poudlard. Donc, à la tête du sanglier, maintenant, ça va être après au larve. Et là, on va en ramasser un petit paquet. Ouais, je regarde ses vidéos sur Resident Evil quand j'aurai rattrapé tout son Timberhorn et Hogwarts Legacy. Sauf le truc sur le balai, c'est chiant. Timberhand, des fois, c'est chiant à regarder, mais bon, il y a des passages qui m'intéressent. J'ai cru que le jeu était en train de cracher, mais... S'il vous plaît, vous ne pouvez pas me laisser là. La misère ne va pas avec mon teint. Là, voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, une double saloperie. Le jour qui est arrivé au bon moment pour elle. Je vois qu'il y a une quête, en tout cas, ici. Tu es à moi, à présent, demi-guise. Regarde rapidement c'est quoi la quête qu'il nous propose ici. C'est quoi ? Ah oui ! Cette quête, je l'ai eu avec ma poursouffle. Cette quête se déverrouille quand vous avez fait la fugitive. Des chiffons. D'ailleurs, Bob, il appelle ça friperie et fantaisie. Pour pas dire gay suffisant, parce que voilà, quoi. Préolard, me voilà. Mais il me semble, d'ailleurs, friperie et fantaisie, c'est une boutique de vêtements assez liquide. C'est vrai. Si vous avez besoin de quelque chose. Ah, du coffre à œil et ici. Oh, vous êtes tout simplement splendide. Sur le comptoir de droite, pas loin du coffre à œil. Elle a été lootée apparemment.
peu les ramasser, celles-ci, apparemment. Ouais. Le chat qui commence à s'agiter, ça ne sent pas bon pour nous. Maison tout à l'est. Ah, je peux pas mettre des précisions sur des cibles comme ça. Ah, ça c'est dommage. D'ailleurs, tant que tu en parles de ça, dans Resident Evil, ce système de porte, trouve pas, enfin, globalement pour moi, c'est absolument pas un défaut du gameplay, parce que ça accentue le côté angoissant. T'as vraiment ce côté, tu sais pas où tu vas aller. Le fait que parfois t'as des zombies qui peuvent passer ces portes aussi, ça rajoute de l'angoisse. Ça et les plans caméra horribles. Ouais, mais c'est pas, enfin, c'est dégueulasse, mais c'est fait exprès, je pense. C'est pas un... c'est fait exprès pour le côté horrifique, parce que tu vois pas vraiment. Allô, Mora. Tu vois pas vraiment arriver les zombies dans certains angles et du coup ça te fait angoisser, quoi. Ça crée de l'angoisse parce que t'as pas un angle de vue à 360. Donc t'es en permanence sur le qui-vive, tendu. Enfin... voilà quoi. Tu es à moi à présent, demi-guise. Et après, le fait que ton personnage, c'est pas comme dans les jeux modernes où t'as des runs, des roulades, où tu peux vraiment faire des esquives et tout. Là, ton personnage avance assez lentement et est maladroit dans ses déplacements. Donc, tu peux pas... comment dire, tu peux pas brain le jeu pour abuser de l'IA du jeu pour bloquer les zombies parce que ton personnage a pas non plus une grande palette de mouvements. Allô, Mora. Donc du coup, tu... moi j'imagine que Bob, oui, il se trouvait pas très à l'aise non plus. Il peut pas... il peut pas se trouver des counters. Il y en a certainement hein, des moyens de faire bugger un peu les zombies pour les exploiter. Il y a un coffre là. Je vais le ramasser. Un présentoir ornementif. Maison au nord. Dans une maison à déverrouiller, avant la maison de Amanite et Chiendan. Donc Amanite et Chiendan est là. Et ben c'est cette maison là alors. Mais après, ne comptez pas sur moi pour vous faire du Resident Evil, c'est mort. Même le 4, je ne ferai pas en stream. Je ferai certainement un jour de mon côté. Mais en stream, je pense pas. Même si le 4, c'est le moins pire et c'est celui-là qui m'intéresse le plus à jouer.
Mais bon, j'ai déjà de toute façon trop de projets, j'ai même pas acheté le jeu ni rien. Enfin, après, je voudrais faire le Resident Evil 4 normal et le remake après pour voir les différences entre les deux. Réveillon. Donc, c'est la maison avant chien dedans. Ouais, pareil, j'ai jamais joué au 4. J'ai vu le gameplay du 6 avec le Fanta et Bob en cop. Mais il a pas l'air extra, le 6. Le 5 a pas l'air mal. Tu es à moi à présent. Après, faut voir. Mais le 4 a l'air qualitatif. Le 4, c'est plus un jeu d'action que horreur. Ça me parle un peu plus. Mais le 4, apparemment, c'est quelque chose. C'est un coffre à œil. Lumos. Non. C'est ce qui est pareil, il y a des trucs un peu what the. Moi, l'exemple qui me revient le plus quand on me parle du 4, c'est qu'on me dit « T'as des zombies qui te poursuivent avec des flingues dans des chariots de mine. » Ah ! Bon, je vais pas prendre sa quête de suite, hein. On est sur les 2010, donc il va attendre. Je l'ai ramassé ici. Ah non, c'est à l'étage interdit. Ok. C'est où ils se réunissent, enfin l'étage interdit. C'est où les profs se réunissent en fait. J'avais ramassé ici. J'avais ramassé. Tom est parchemin dans l'arrière-boutique. Un robot géant dirigé par un nain qui ressemble à un croisement entre Sarkozy et Napoléon. Alerte. C'est un robot, c'est un méca. Ah bah non, mais c'est un méca alors s'il est dirigé par un pilote. Ah ouais. Ah, c'est pas les robots ultra classe qu'il y a dans les Metal Gear. C'est plus des mécas dans... Dites-moi s'il y a quelque chose que vous cherchez en particulier. Tu es à moi à présent, Demi-Guise. Ah là, ça peut être Demi-Guise. Maison à l'ouest. Non loin de la boutique de Ollivander. Nécessite le niveau 2 de Alomora. Ollivander n'est pas très loin, je crois. Réveillon. C'est pas très grand, sa boutique.
Ouais, Ollivander est là. Là ? Non. Ici. Comme je peux pas définir des étapes, les gens ils y arrivent. Oh well, je parle. Mais en même temps, après tu as l'humain qui devient centaure sur rail, puis tu Rex qui devient une géante. Donc, résidence civile et le réalisme. Hein. Puis les résidences civiles disent fuck à la loi de la conservation de la masse. C'est vrai. C'est un peu trop vrai. Ah, bah, c'est peut-être là en fait. Allô, Mora. Je peux piller tout cet endroit. En même temps, on chope des coffres. En vrai, là, Blizzard tourne, mine de rien. Je pense que je vais faire des petites sessions. Je pense que je vais juste faire une session pour les 2010. Je l'appellerai l'épisode comme ça. Comme ça, ceux qui sont intéressés de me voir galérer sur les 2010 auront cet épisode-là. Parce que si je fais tout ce que je veux aujourd'hui, demain, je ne ferai rien. J'aurai pas le courage de faire du contenu demain. Là, on est sur une heure de session. Ouais. Parce que si j'enchaîne demi-guise plus les quêtes, ceux qui sont plus intéressés pour les quêtes seront plus contents d'avoir une autre vidéo qui se sera spécialisée sur ça au lieu d'avancer la vidéo d'une heure, je pense. De toute façon, là, il va être 19h. Ouais. Je vais finir mes petites demi-guises. Alors, la maison à droite de la boutique nécessite le niveau 2 de Alomora. Je connais quelqu'un qui vient de sortir. Alors, la maison à droite, ok. Tant pis, il faudra que je change, mais ça fait un moment que je n'ai pas retouché à ça. Mais, ouais, attends, toi. Ah bah, je les avais dit. Tu es un allô, Mora. Ça fait un moment que je n'ai pas bossé mes vignettes sur Rogue War Legacy. J'ai fini celle pour Star Wars. J'ai fait celle pour Cyberpunk. J'ai fait celle pour The Pathfinder. Oh, c'est vrai qu'il y a Pathfinder dimanche aussi. Oh, ça va me faire beaucoup de contenu en fait. Enfin, beaucoup de contenu. Rébellion. Moi, ça ne fait rien. Je me débrouillerai pour trouver du temps. Une écharpe à rayures napolitaine. Maison à l'est. La maison à droite des trois balais.
Au moins, ça ferme facilement aux trois vallées. Ah, après, voilà. Alors, si c'est à droite des trois vallées, je pense qu'ils partent du principe de l'entrée du bâtiment. Ouais, non, mais là, c'est à gauche. Réveillon. Alors, c'est cette maison. Allô, Mora. Surtout que faut que je change, mais on a des devoirs pour le JDR qui reprend mardi. Donc, c'est pas si loin. Et on a des devoirs. Réveillon. Hop, c'est bon. En gros, pour expliquer simplement les choses, il va falloir qu'on se débrouille pour imaginer une scène pour Noël et le premier de l'an, comment ça se passe dans notre famille, quels PNJ seront présents, qu'est-ce qui va se passer à peu près. Et c'est pas évident. J'en sais à combien là ? On a fini après Olar en tout cas. On va finir la quête de Moon par contre. Pas déconner. Il nous en manque 3. Aranchir. Je sais pas comment ça se dit. Peu importe. Aranchir. Je vais dézoomer, ce sera 1 million de fois plus simple. Ouais, voilà. Après celle-là, il en manquera 2 autres. Puis après, les autres demi. Je m'y attendais. Je sais pas pourquoi je m'y attendais. Et ils sont en train de me sauvegarder mes demi-kits par contre. Sinon, je vais me fâcher. On n'avait pas eu de crash. C'était étonnant, n'est-ce pas? Ah, mais je suis zen. Juste que si je vois que je suis qu'à 6 demi-kits, je vais mal le prendre. Bon, le Claude, tu vas te manier le cul aussi, toi. Respecte-moi. Je sais que c'est pas évident, mais respecte-moi. Bien. Bon, bah, allez, Shader. Ah, j'avais dit que je voulais essayer un mode. Ouais, mais... On verra ça plus tard, c'est pas grave. Pour virer les shaders, mais. Mais tant pis. En tout cas, le chat il endure pour le moment. Ça fait plaisir. Je
J'ai eu des news sur Cyberpunk, cela dit. Pauvre chat. Apparemment... Oh non, le chat, il bouge. Je reste là. Oh, je sais plus c'est quoi le nom de la boîte de Cyberpunk. C'est Cybertech? Non, c'est pas Cybertech, c'est... Oh, je sais plus comment il s'appelle. CD Projekt, bien, merci. Donc CD Projekt, ils ont dit qu'ils vont présenter une extension de Cyberpunk 2077 pour... Non, mais le chat était gentil jusque-là. Au mois de juin. Par contre, de ce que dit la presse vidéoludique, à mon avis, on n'aura pas l'extension cette année. Vont juste le présenter l'extension en mois de juin. Gentil le chat. J'ai parfois l'impression que toutes les routes mènent à Préola. Ouais, bah bon. Enfin, après, oui, d'accord, je suis complètement d'accord avec toi. Ok, c'est bon, j'ai mes 10. Il m'en manque 3. Ça l'a pris en compte. Ouais, ils misent gros, c'est sûr. Mais ils ont intérêt de faire quelque chose qui... Tien out. Mais après, oui. Je comprends ton point de vue. Mais le problème... et qu'ils ont commencé le développement de l'extension tard aussi. Alors que à la base, elle devait sortir à peu près un an et demi après le jeu. Révélio. Mais après, je comprends. Peut-être qu'ils avaient préparé quelque chose. Et comme tu dis, ils se sont dit, non, on annule tout, on refait tout ça bien, parce que sinon, ils vont nous défoncer les joueurs. Ça se trouve, c'est ça. Hein. Ouais, bah ouais, de toute façon, bah, je pense que quand c'est des extensions comme ça, les actionnaires, ils sont moins chiants, parce que, bah, c'est une extension, tu vois, ils... Je vais pas dire qu'ils s'en fichent, c'est pas complètement vrai. Mais ils mettent moins de pression, je pense, pour une extension. Révélio. Allô, Mora. D'elfes de maison. Oh, ce sera très bien. Chiffre, va bah, précieux cela. À juste titre. Non, le chat, tu te tiens tranquille. C'est pas cette maison-là. Eh ben, on va fouiller ailleurs. Level 3. Allô, Mora. Bon, bon pour trouver une demi-guise. Révélio. Même pas. Statue de Nifleur. Attendez, il y a une porte. Ouais, non, c'est une porte... Il y a quelque chose à côté. Oh, c'est un gros coffre, ça. Oh, t'es sérieuse? Non. Ouais, quand même.
c'est même pas un coffre répertorié. Allô, Mora. Ah, par contre, tu m'avais parlé d'un mode pour duel Elion, faire des combats avec les élèves et tout ça. J'ai trouvé le mode, effectivement. J'ai un peu galéré. Mais bon... bof. Pour avoir lu la description... bof. Ouais. Duel Anywhere. Le problème, c'est que l'idée est cool. Réveillon. Mais tu peux pas utiliser les sorts impardonnables. Ni Confringo et Bombarda. Non, mais je l'ai pas trouvé la 2010 par contre. Ah mais c'est parce qu'il fait jour. Ah ouais? Il doit y avoir un mode alors. Après, tuer les profs. Ok, il fout donc ton jeu en l'air. Bien joué. Allô, Mora. Ah, ça doit être le mode avec Voldemort alors, ouais. Tu mais j'ai pas envie de jouer Voldemort, moi. Allez, ici. Voldemort, franchement, il n'a aucun charisme. Il est moche en plus. Puis la défaite, Voldemort en vrai. En vrai, quand on y réfléchit globalement. Bienvenue. Si quelque chose vous intéresse, n'hésitez pas. Les méchants dans Harry Potter. Ouais. Allô, Mora. J'aurais pu avoir être mieux. Ils sont pas mémorables. Ah ouais, en plus. Réveillon. Ce chat casse tout en l'air, quoi. Allô, Mora. J'espère que mon chat va tenir jusqu'à la fin du stream. Réveillon. En attendant, je loot.
vol. Réveillon. Ah ouais, ok. Voilà. Oh, il me manque plus qu'une saleté de demi-guise qui serait à Pitt Uppenford. Et les autres, ils iront au four. Les autres demi-guise. Voilà. Je vais fermer le guide. Oh, elle en a plus besoin. On récupère cette demi-guise. On va voir Monsieur Moon et Walou. Réveillon. Je vais en profiter pour vider les coffres. Et on finira sur la salle sur demande, voir ce qu'on a looté. Allô, Mora. Réveillon. Et demain... ou lundi, selon, parce que il n'y a pas de Finder dimanche. Pensez aussi à ce détail là. Des ennemis en tout cas ici. Une casserole en cuivre avec une pierre précieuse dedans, une améthyste, je crois. On n'a pas eu de combat dans cette session, donc on va en avoir un petit. C'est fini pour toi. Réveillon. Voilà. Les gens sont même pas chez Révélio. Eux. Il y a un autre coffre ici et un ennemi en contrebas. On va une saleté de fin en jeu. Bombarda. Tiens, justement. Réveillon. Les pauvres villageois qui doivent. Ils ont entendu deux fois pas loin de leur maison une voix de. D'une gamine dire Avada Kedavra. Ils ont pas du tout reconnu ma voix, je vais pas avoir beaucoup des emmerdes. Je vais avoir vraiment des emmerdes à force. Ils vont me reporter à Poudlard.
Après, il y a 500 élèves, donc ils ne connaissent pas tous. Réveillon. La baguette qui enregistre les sorts. Ah oui, il y a ça. Ça marche vraiment déjà, ça, je ne me rappelle plus. Mais après, il me semble pas qu'il y ait un check des profs, tout ça, sur... Ah ouais, sauf s'ils font une enquête, évidemment. On voudrait savoir quel est votre élève, quel est l'élève de Poudlard qui a lancé Avada Kedavra. Enfin, non, ils vont pas dire comme ça. Qui a lancé le sortilège de mort. Les 10 derniers sorts s'enregistrent sur la baguette. Ouais, bon, après, quand tu sais ça, enfin, les élèves, ça, peut-être pas. Il suffit que tu spammes d'autres sorts et... En jeu, incontrôlable. Nous avons un monstre parmi nous. Si vous apercevez du bois flotter dans les marais, ne le prenez pas pour une vieille branche. Il s'agit probablement du frangieux le plus féroce que ce hameau a jamais vu. Je vais couper la langue. Par contre, j'ai pas trouvé la demi-guise. J'avais peut-être dû la looter. On va aller dans un autre bled, hein, c'est pas grave. Or, cette maison-là, elle n'a pas été visitée après tout. Réveillon. J'ai l'impression que non. Vous ne pouvez pas transporter plus de potions Wingenweld. Ah, je l'ai pas trouvé. Mais what? Réveillon. J'ai fait toutes les maisons, non? Tu es à moi à présent, ah bah. Demi-guise. C'est peut-être celle-ci qui a été oubliée. Hein. Ouais, ici j'y ai pas été parce qu'il y a des trucs qui n'ont pas été lootés. Piano. Je vérifie bien qu'on a les 13 avant d'aller voir ce gros con. Ouais. Je sauvegarde parce que ce jeu, c'est Crashland. Poudlard. Le grand escalier. Grand escalier. Ah non, je sais où il est dans la grande salle. À la tour des profs. Ok, le chat tient le coup. C'est la bonne nouvelle. Vincent, il n'a pas miaulé, il n'a pas fait de... Il n'a pas créé de chaos. Bonjour, Monsieur Moon. Salutations. Vous avez pu déloger d'autres statues de demi-guise? À vrai dire, j'ai quelques lunes pour vous. Eh bien, vous n'avez pas chaud, mais... Excellent. Merci. Voici mon dernier cours sur Alohomora. Avec ces connaissances, plus aucune serrure ne vous résistera. Vous avez fait tout ce que j'ai demandé. J'aurais simplement aimé savoir qui a placé ces statues. Enfin.
Si vous en trouvez d'autres, n'hésitez pas à les enlever. Vous rendrez un fier service à votre concierge. Et si jamais je trouve le vaurien à l'origine de ce tour cruel, je vous en ferai part. Et merci encore une fois pour votre aide et votre ténacité. Voilà. Maintenant que vous maîtrisez Alohomora, aucun verrou ne vous résistera. Mais continuez à chercher ces statues de demi-guises et leur lune, je vous prie. J'ai de la chance, ça veut pas... ça marche mal. Les vieux sauts. Pas que j'oublie un détail d'une importance importante. Oui, voilà, je parle très bien la France. Je m'occupe de la reproduction des créatures. D'ailleurs, j'ai trouvé un truc très bien pour se faire facilement des demi-lunes. Enfin, des pierres de lune, pas des demi-lunes. Ça, c'est à cause de l'autre. L'autre gars. Et aussi, une chose que j'ai remarqué quand ça a grandi votre salle, ça prend pas forcément en compte certains... Non, mais... Ça veut dire que là, c'est pas serpentard en fait, partout. Du coup, faut faire ça. Donc, scientifique, c'est serre d'aigle. Botanique, c'est pourfsouffle. Éclectique, c'est Gryffondor. Gothique, bah, c'est serpentard. Voilà. Normalement, on est bon là. Ouais, ça me les a mis à jour. Ouf là, j'ai l'impression. L'aile là, elle est pas en serpentin. Voilà. Chic trouve que vous avez vraiment beaucoup progressé. J'ai encore du boulot, Chic. Là, j'ai un doute. Ouais, si c'est du verre. On est bien dans du setup serpentard. Ici, par contre, on n'y est plus. Non, mais pas toi. Voilà. Là, pareil. Ah, si, là, on y est aussi. Ça a tellement un côté... résidence civile. J'adore. Elle est inquiétante, cette salle sur demande. Ouais, ça se trouve, c'est faisable. Oh, j'ai ramassé énormément de choses. Dégâts infligés. Ah ouais, mais si je mets ça... Oh, c'est juste ma défense qui est montée, mais...
J'ai une défense à 100 là. Pourquoi c'est supérieur ça? Ah non, c'est pas supérieur en fait. Moi j'utilise ça. Ouais, mais remettre mes runes à chaque fois, c'est gavant. Non. Juste de l'apparence, ça m'arrange. Après, la défense, c'est important aussi, tu me diras. Il faut que je refasse mes trucs à chaque fois. Après, il me faut juste des poils de flaireur, c'est pas la mort. Ouais, c'est pas la mort en soi. Ah, mais après, il faut que je remonte l'offensive. Ça, c'est la mort. Non, je vais attendre vraiment d'avoir... Non, c'est pas important. C'est pas important. L'offensive, c'est plus important. De toute façon, j'ai une bonne défense déjà, je pense. 92, 91, 86, 89, ouais. Pour 10 points de défense de plus, voire là, 20. Ouais, bon, 20, ça picote peut-être un peu. Ouais. Sans de celle-ci. Il faut être niveau 35. Nouvelle manque de... Oh, j'en ai plein! Ah, je les ai presque tous. Comme quoi. Oh. Regarde ce qu'on a de bien. T'as des manches qui sont complètement douteuses par contre. Celui-là, il est stylé, mais pas pour moi. Oh, ça c'est pas mal, Royal Noir. Naté rouge. Ah, ça fait trop bizarre. C'est dommage, il y avait de l'idée. Bon, alors ça, ça c'est moche. Non. Ah, c'est dommage. C'est bizarre. Ça va pas avec cette baguette. Oh, mais c'est pas mal ça. Après, ma baguette est pas terrible. Il faudrait que je la change. Je prends ça. Je vais prendre ça. Bah les formes arrondies ça va, mais quand c'est pas des formes arrondies, ouais. Quand c'est carré, putain c'est chiant pour les mains. Bon. Oh, j'ai largement de la pierre lune en fait. Enfin, je change aussi à vider les viariums. Il y a des coffres à trouver, mais on verra ça plus tard. Quoi que je pourrais le faire maintenant en vrai. Ouais, mais c'est des coffres qui comptent pour le. La collection. J'ai pas l'impression que ça indiquait combien je peux en trouver ici. Là, par contre, je peux pas utiliser mon balai dans une zone comme ça. Wow. Ça fait mal. Et il n'y a pas moyen d'avoir des stations de brossage. J'imagine que non, hein. Pour optimiser le farm, ça serait vraiment bien. Et jouer. Intéressant. Ah! Réveillon. Ah, intéressant. C'est comme ça. Je vais pas courir après. Une sorte de jouet pour chaque bestiole. Mmh.
J'imagine que la limite, c'est où il y a la barrière. Ouais. On va regarder ça pour les jouets, justement. On va pas en avoir. J'ai un doute. Hein. Je vais sûrement pas acheter. Ouais, non, je ne sais pas acheter. Je peux décorer si je veux, mais bon. Enfin, si on veut, on peut bâtir un château. Ouais. On peut bâtir des constructions si on a envie. Faut être motivé, hein. Après, si t'as des idées, je pense que tu peux faire des trucs sympas. Mais après, faut passer du temps assez conséquent. J'ai tout ramassé ici, en tout cas. Chick trouve que vous avez vraiment beaucoup progressé. Après, pour les gens qui aiment bien ce genre de gameplay de housing, c'est très sympa, je trouve. J'imagine que le phénix, c'est une créature unique. Ouais, bye. Petit pilier. En haut, j'y ai pas été. Mais est-ce que je peux y aller au moins? Je pense que oui. Oui, je peux. Je pense que quand j'aurai ramassé tous les éléments de construction, j'essaierai de passer du temps un petit peu sur les vidariums et la salle sur demande pour essayer de faire des trucs. De reproduction du phénix en fait c'est qu'il renaît en permanence, non? Enfin...
Bye bye. Le chat commence à être chiant. Non, le chat, tu attends un peu. Putain de chat. Revelio. Laisse ça tranquille. Le chat qui a quand même réussi à trouver la touche pour mettre pause le jeu, quoi. Pour me mettre dans les menus. Non, 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 tu arrêtes tes conneries. Là, par contre, faudrait pas qu'il mette sa patte sur F4 et sur Alt. Qu'il allait pas tenir jusqu'au bout. Bon, je reviens. Il y en a un là. Voilà. Ah, du coup, ça prolonge pas mal la session. Mine de rien, on va être à 2 heures de session. C'est pas grave. De toute façon, c'est pareil, demain je fais ma session à je ne sais quelle heure. Et on fera les quêtes restantes secondaires. Il me reste The Swamp. The Swamp. Mais de toute façon, je pense qu'à un moment ou un autre, quand j'aurai tous les éléments de... Mais il en manque d'ailleurs, juste par curiosité la plus pure. Collection. Ouais, il en manque pas mal quand même encore. 74 sur 140. Mais à partir du moment où je les aurai tous, j'essaierai de faire un peu de déco. Réveillon. Ouais, oui, il y a les papillons, il y a les labyrinthes, il y a plein de choses. Hein. De toute façon, je pense que là, on est parti pour 6 sessions plus encore sur le jeu. De toute façon, il y aura sûrement une session. Si je m'amuse à me faire décorer la salle sur demande quand j'aurai tous les trucs, ça va prendre déjà un petit moment. Ce sera une session entière, sûrement. Consacrée à ça, tu vois. Pourquoi j'ai été équipé Bombarda alors que j'en avais pas besoin. Et surtout que je l'ai déjà là.
Ouais, non, j'ai fait n'importe quoi dans mes slots. C'est absolument pas possible. Voilà. Réveillon. Cette ambiance ici, c'est incroyable. Après, décorer tous les vivariums, c'est assez vénère en soi. On verra. Je veux juste tâter un petit peu les possibilités du jeu, voir jusqu'où on peut aller. Sachant qu'il y a sûrement une limite de construction. Bon, évidemment, il y a des modes pour pallier à cette limite. Mais bon, je veux faire vanilla, quoi. Donc on verra bien. Mur bas. Ah ouais, tu peux. Réveillon. En fait, tu peux carrément te faire un mini coup. On n'y voit pas grand chose. Hein. Je pense que ici je vais rater des choses, c'est obligatoire. Donc, c'est assez labyrinthique et brumeux. Attendez-vous à ce que je dois progresser pour trouver un coffre qui me manque dans tout le jeu. Par contre, je devrais utiliser Lumos un petit peu. Ce serait pas de luxe, non? Ah, je l'ai ramassé celui-là. Tiens. J'avais dû traîner là. Lumos. Une soirée dans la grotte sur Dagobah. Star Wars 5. Quand même le 4, je crois qu'il va d'accord. Oh. Non, c'est parfait. Ouais, là, d'accord. C'est après Hot. Donc, ouais. Tu m'attendrais presque à trouver un X-Wing qui est à moitié encheveli dans le marais. Réveillon. Lumos. C'est sûr. C'est sûr. De toute façon, c'est obligé, à un moment, Bob, il va peut-être pas le faire, mais je crois qu'il en est capable de mettre un X. De toute façon, je joue. Lumos. Ouais, il a les motos de jet de Andor. En tout cas, j'ai tout ramassé apparemment. Très bien. Et ben, on va pouvoir conclure sur ça. Protego. Non, pas Lumos. Et du coup, ben, si j'y ressonge, ça me perturbe ces bougies et ces livres. J'ai envie des axiomes. Ça sert à rien.
Donc, ouais, du coup, bah, je vais regarder ce qu'il y a en mode d'ici demain et s'il y a quelque chose d'intéressant, je l'installerai. Sinon, bah, 73% du jeu, mais ne vous fiez pas à ça. Parce que pour moi, un 100% du jeu, c'est pas ça. Un 100% du jeu, c'est ça. C'est que tu vois, vous voyez, je veux dire, pardon. Ah, bah, je sais les balles aussi. Ça, ça doit être tout à fond. Tout ça. Et là, c'est du vrai 100%. En tout cas, j'espère que cette session de Hogwarts Legacy, épisode 21, où on a farmé les demi-guises et aussi été un petit peu dans les enclos à Vivarium. Il y a eu très peu de combats dans cette session, mais vous inquiétez pas, il y en aura bien qui vont arriver des combats dans d'autres sessions. En tout cas, j'essaye de vous retrouver demain, si c'est possible. Sinon, bah, ce sera lundi, tout simplement. Ou mardi, selon, mais vous inquiétez pas, je ne vous abandonne pas. Je vous apporterai toujours plus de contenu en temps et en heure. En tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt.